fait appel à la PAV tout simplement pour faire des formations de formateurs. Alors nous sommes un centre de formation, mais nous formons au sein de notre entreprise uniquement sur nos produits. Dès que nous sortons de ce domaine de compétences, on fait appel à des organismes extérieurs. À l'issue du stage, ensemble, avec le formateur, la commerciale et moi-même, on a fait le débriefing. Elle était au départ à l'origine de cette formation-là et elle a fait la synthèse avec nous. Et elle a donc bien pu entendre les différents éléments des stagiaires. Et c'était vraiment quelque chose de très professionnel. Cette formation, non seulement va leur servir dans leur parcours professionnel pour former nos futurs clients ou nos clients, mais également à titre personnel, puisque c'était vraiment un travail très enrichissant. Une vraie remise en question sur les méthodes pédagogiques et comment aborder certaines problématiques. Je peux vous dire qu'ils sont unanimes, ils ont vraiment augmenté en compétences par rapport à la formation qu'ils ont passée avec la PAV. De toute évidence, nous allons refaire appel à vous pour de nouvelles formations, pour monter en compétences nos techniciens au niveau des domaines que nous ne maîtrisons pas et que vous avez dans votre catalogue. Et ils sont nombreux. En tant que leader de la formation professionnelle, c'est tout naturel que Vice Hop va faire appel à la PAV.